Bonsoir. C'est toujours un grand plaisir. Chaque fois que nous avons une opportunité pour nous avec vous, rien que dans l'idée pour nous partager ensemble quelques connaissances que le Dieu, le roi de l'univers, les mettait dans nous pour nous capables de partager avec vous. Pendant nous-mêmes, tout, nous apprendre de vous à travers les questions que vous pourrez poser. Encore une fois, nous saluons de façon très spéciale, amoureusement parlant et sentimentalement parlant. Comme animateur l'a déjà dit, c'est votre frère et ami. Du Kenspire, lui, qui est encore avec vous à Soya, dans si bel moment ça que nous allons passer ensemble, que nous espérons que nous fait monte dans la danse, mais la question est nous fait monte. Je me dis, là, moi j'ai acheté 4 cadeaux. Malheureusement, c'est une qui baille parce que l'autre, je vais manger. Yo. C'est ça parce que nous pas voulons danser. Nous pas danser. Nous fait monte, nous pas prendre côté. Mais. Donc, nous dit merci avec Dieu, le roi de l'univers qui mettait dans nous le souffle de vie pour permettre que nous bien souffle, nos styles vivants. Qui permettent que nous puissions camper là dans l'idée pour nous partager ensemble avec vous quelques principes de base pour mieux gérer une relation sentimentale. Il n'est pas sans savoir que nous gagnons un sujet maintenant qui est un peu tabou. Le nom dit tabou, c'est parce que nous avons parlé d'un thème qui un peu sensible et que là dans tout gagnons hypocrisie parce que même dans le système éducatif haïtien ou dans la salle de classe il y a des explications à bail et il y a un directeur qui t'attendait là du désordre parce que on parlait d'un concept qui paraît un peu tabou dans la culture non et pourtant l'amour lit seulement gagne 5 lettres. Mais moi toujours dis ça avec seulement ces 5 lettres. Il a crasé le monde en quelques secondes et le rebâtit en 2 minutes. Et c'est une façon pour nous expliquer la puissance de l'amour. C'est un sentiment qu'il y a. Donc, une fois que nous vivons l'amour, nous pas mieux comprendre l'amour, c'est plus l'amour la fatigue sur nous. L'existence de l'être humain repose sur un ensemble d'éléments conditionnant la vie. Les éléments parmi lesquels on retrouve les besoins fondamentaux, nécessaires et indispensables. C'est-à-dire, nous avons besoin de manger, de boire et de dormir. Ce sont des besoins qui paraissent indispensables. Et attention, parmi ces besoins, on retrouve aussi l'amour, c'est-à-dire l'amour, c'est un besoin parmi les besoins. À ce propos, Michel Morgan a cité un jour, le bonheur existe, il est dans l'amour. Vous entendez une citation, il dit, le bonheur existe, il est dans l'amour. Selon auteur Sarah Morgan, bonheur li existe, mais pour jeune bonheur, c'est dans l'amour pour jeune. Et pour continuer, Victor Hugo a dit un jour, aimer c'est savoir dire je t'aime sans parler. Vous entendez? Aimer c'est savoir dire je t'aime sans parler. C'est une façon de dire que dire au monde qui remène, c'est bien.
Mais le vrai amour, ça ne se dit pas, ça se montre à travers les gestes et les actions. Pour continuer, nous avons Georges Sand de son côté, pense que aimer sans être aimé, c'est comme allumer une cigarette avec une allumette déjà éteinte. Vous avez ça, monsieur, dit lui-même. Lui-même lui dit, aimer sans aimer, c'est comme allumer une cigarette sans avoir. C'est comme allumer une cigarette avec une allumette déjà éteinte. Ça veut dire, l'on choisit une relation sentimentale sans pas un vrai amour la donne. C'est comme si m'da dit allumer une cigarette avec une allumette qui n'a pas de souffle. Donc, on t'a dit, on va faire corvée. Qui ça veut dire selon auteur ça? Selon auteur ça veut dire, un élément sine qua non pour une relation sentimentale exister, il faut que l'amour existe. Vous comprenez? Ça veut dire, ou pas choisir un monde parce que un monde dit ou choisir. Pour l'amour exister, pour le bon fondement, faut que l'amour en tout existe. Ça veut dire, relation sentimentale là, il y a un fondement, c'est amour. Alfred de Musset, quant à lui, a déclaré un jour, je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre ta main. Je lui même l'aller dans l'autre sens pour le dire que, pour le montrer, dans quel degré il sent-il confortable lorsque mène serré dans la main, monde que le remet et qui remène toi. Attention. Selon Alfred là, il sent-il confortable parce que non seulement dans le même monde mène serré, il remet mon nom, et mon nom tout. Il remène. C'est-à-dire, pas gain l'amour, pas gain bon relation sentimentale en dehors de réciprocité. Sinon, si ça ressenti, ce n'est pas lui-même les senti, chaque monde a fait pareil. Donc l'amour, ça ne va pas marcher. Et pour terminer avec ces séries de citations, moi j'ajoute quelque chose. Et je dis que vivre sans l'amour, c'est de ne jamais connaître la douleur de la vie. C'est ce que je pense. Après avoir élucidé les pensées de ces auteurs, et moi je pense, c'est-à-dire à mon sens, vivre sans l'amour, c'est de ne jamais connaître les douleurs de la vie. Pour moi, l'amour, c'est la vie. Tout ceci montre que, malgré le bonheur qu'apporte ce sentiment en nous, ce dernier constitue également des forces et énergies qui déstabilisent souvent notre organisme et affectent notre vie en général. L'amour présente une dichotomie. Dichotomie veut dire qu'il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect positif, il y a un aspect négatif. L'amour présente une dichotomie. Il apporte tantôt le bonheur, tantôt le malheur. Tantôt la joie, tantôt la tristesse. Il nous rend tantôt heureux, tantôt chagrin. Il nous fait rire et pleurer en même temps. Dans le modèle d'inspiration, ça m'a fait tout penser avec un auteur, même si son auteur païen, qui c'est Kenny DeMangle, dans la musique qu'on attendait, il écrit, il dit. L'amour fait de l'eau bouillie sauter dans le frigidaire. Et il fait de l'eau glacée sauter dans le chaudière l'enfer. Kenny DeMangle, Dixit. J'ai dit, l'amour fait de l'eau bouillie sauter dans le frigidaire. Et même l'amour, ça a une capacité pour le faire de l'eau glacée sauter dans le chaudière l'enfer. Ainsi, vivre l'amour à l'idée d'éviter les douleurs qu'il nous apporte consiste à bien maîtriser les principes de base pour mieux gérer la relation sentimentale dont nous partageons avec notre partenaire. Si Kenny DeMangle lui-même dit ça, c'est une façon pour le montrer aux dichotomies qu'il y a dans l'amour et puissance qu'il y a dans l'amour. Ça veut dire, l'aile de l'amour qui a fait de l'eau bouillie sauter dans le frigidaire, c'est une façon pour le montrer que il y a des bagailles où est dans l'amour, tout ça qui est impossible. Le cas possible. Et bien, bagaille ou dit le possible, après ça, l'impossible. C'est une façon pour nous montrer la dichotomie qui gagne. Maintenant,
Quel est notre objectif de ce soir? Notre objectif, c'est de présenter quelques principes de base pour mieux gérer une relation sentimentale. Attention, il n'existe pas de relation parfaite dans le monde. Point barre. C'est une vérité absolue. Pas dans aucun côté dans le monde là, il y a une relation qui est parfaite. Parce que l'on dit parfaite, c'est sans défaut, pur, sans tache. Mais non, ça n'existe pas parce que relation sentimentale là, c'est moun qui fait. Et moun en soi, déjà papa, pas parfait. Maintenant, pour nous rentrer directement dans le sujet, quelques principes de base pour mieux gérer une relation sentimentale. Par définition, qu'est-ce qu'une relation? Qui sont relations? Généralement, une relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre deux personnes qui se rencontrent, communiquent entre elles. C'est-à-dire, Léon Moun dit qu'il y a une relation avec un monde, ça veut dire qu'il y a un lien qui m'a rendu avec elle. Lien, ça permet non seulement de nous rencontrer, mais permet tout nous communiquer. Pour continuer, la relation sentimentale, c'est quoi? La relation sentimentale, on pourrait dire aussi relation amoureuse, ça se définit comme l'état d'être engagé sentimentalement avec quelqu'un. J'aime cette définition. Moi, les maps explorées, moi, je viens d'une dividale définition. Je seulement qu'un dit ça. L'écoute, les simple, les belles, les vraies. Relation sentimentale là, c'est l'état d'être engagé sentimentalement avec quelqu'un. À ce là, je suis sûr que 90% d'entre nous, c'est des gens qui sont majeurs. Nous venons là pour nous faire un débat sérieux sur la relation sentimentale. Pour qui ça? Parce que, par définition, relation sentimentale, là, je viens de dire là, c'est un engagement. Quand on dit oui à quelqu'un, c'est un engagement. Oui, que ce soit le fait de rencontrer avec non aimé, oui tout, que ce soit c'est les non mariés. Une relation sentimentale, c'est un engagement. On sait la définition relation. Alors toute relation pas sentimentale, vous voyez, vous avez une relation avec un monde, mais ça va vous dire c'est une relation sentimentale. Relation sentimentale là, pour synonyme relation amour. Amoureuse. Ça veut dire ou une relation sentimentale avec un monde, c'est dire ou partager une relation d'amour avec un monde. Maintenant, pas oublier, une problématique qui gagne dans l'amour, c'est que relation sentimentale là, il y a une portée alternative. Les autres ont un aspect alternatif, c'est un bagage qui a un aspect. Ouais, comme ça. Les montées, on les, ils descendent. Après ça, on les monte, ils descendent. Vous comprenez pour qui ça fait? Parce que deux mounios, c'est deux mounios. Deux mounios, c'est deux êtres humains qui gagnent ça les émotions, qui gagnent ça les sentiments, qui gagnent ça les un paquet désirs en dedans, parfois qui rendent mon de qu'à toujours commettre une erreur. C'est ça qui l'homme. Donc quelle que soit la relation qui est en dedans là, relation sentimentale et amoureuse, quel que soit le monde qui est en dedans, que ce soit accompagné avec le monde, ou bien le pas là, ou bien on seul, ou accompagné à tête, ou, mais ça m'a dit, ou. Relation sentimentale, pièce pays dans le monde là, n'est pas parfait. A toujours un bon moment, a toujours un mauvais moment. Mais vrai couple là, c'est couple qui gagne capacité pour gérer bon moment et puis mauvais moment. C'est-à-dire les couples ça ont un couple qui équilibré. Eh bien, il existe beaucoup de principes. Ah oui, il existe beaucoup de principes de base pour un monde capable de gérer une relation sentimentale. Maintenant, en cette conférence, nous allons avoir le temps pour nous bailler tout. De ce fait, nous énumérer les plus importants. Il existe beaucoup de principes à adopter lorsqu'on désire une relation amoureuse stable et durable. Attention, là, m'a adressé avec des couples sérieux. Même des couples sérieux, des mondes, que ce soit fille, que ce soit garçon,
qui gagne en tête yo pour faire un bagaille durable. Parce que gagne coupe. Est-ce que nous on a gagne coupe? Youn nan moun yo ou bien tout de moun yo qui ta gagne date expiration yo. Par exemple, ou gagne droit avec un moun ou gagne date expiration, mon pas connaît. Ça veut dire moun nan dans l'esprit li gitan bon année l'a quitté nan route ou bien gagne date li nan men l'a quitté nan route. Mais ou même on travail pour avenir. Ça veut dire yon nan premier bagay m'a dit non tout. Nan relation sentimentale, li gagne yon sort li gagne un aspect aléatoire. Aléatoire veut dire qui ça? Est-ce que moun nous dit oui a ou nan quel? Non. Ou pas nan quel. Li même tout li pas nan cœur. Mais nous dit oui, nous entendons, nous prenons consensus, nous signons un accord, nous disons, nous vivons une relation sentimentale. Mais nous ne pas contre l'autre vraiment. Donc, et ça fait, nous dit que pas de certitude à 100% dans la relation sentimentale. Et nous toujours disons ça. Dans la relation sentimentale, la vie son challenge que les, son compétition. Mon cap gagne, c'est mon qui joue plus bien. Parce que moun ki nan men on a, c'est pas au seul qui remène et c'est pas les seuls qui remènent. Oh oui, faut comprendre ça, c'est vérité oui. Moun ou avèl là parce que littéralement vrai sou moun la prend là. Ça veut dire moun ou avèl là il ka kon l'autre moun qui remène, li même tout ka kon l'autre moun qui le remène. Mais par respect et par la pour la moralité, donc li avèl. Ça veut dire pas gen certitude à 100% non là. Vous comprenez pourquoi ça me dit ça? Moi adressé directement avec des jeunes garçons même j'avais des fois me contenter qu'a dit fils ça pas qu'a quitter dans mes contre jeune parole ça dit nèg la campé dit moi même ou met talent balan mais femme ça pas qu'a quitter et même s'il quitter l'aime veut m'a tourner avec elle contre jeune ça dit ah tonton c'est une grave erreur parce que moun nan pour qui ça sont grave erreur. Sigmund Freud dans psychanalyse, il dit l'homme nan gagne deux pulsions. Nous définit pulsion comme une énergie, une force qui est en dedans. Deux pulsions. Gagne on les pulsions de vie. Pulsion de vie, c'est toute énergie qui est en dedans qui est responsable l'amour. Ça bon capacité pour aimer, il relé pulsion de vie. Et non même moun sa gagne pulsion de mort. Pulsion de mort, c'est toute énergie qui est responsable la haine. C'est ça que fait même monde à même bouche à même énergie il te dit je t'aime non il gagne même capacité ça non moment pour dire je te hais même monde non et deux pulsions yo l'a vivre avec jusqu'à ce qu'elle mouille you and done c'est ou même en tant que gentleman pour bataille dans vie jusqu'à ce que nous mouille pour pas jamais quitter pulsion de mort supérieure avec pulsion de vie parce que monde qui rein mon dans le ca vienne raillou dans même mesure te rein mon. On prend un exemple qui est très simple. Combien de fois un monde qui croit non pas longtemps, il pas connaît sous t'quitté à ex ou. Il m'a de voulu ou dit ouch. Et tel ou touyem. Ou gâté sans de vous citer non nèg ça. Et c'est même nèg ça dans 5 ans avant s'il levé le pas salio ou malade là. Mais c'est même non. Ça veut dire n'a vivre avec combien pulsion me dit? Deux pulsions. Ni les pulsions. De vie, pulsion de mort. Même moun kap bouje tem nan le kap wani ado. Même moun wè kap retire ti pay pou an yen pa ka touche ou lan, gon le ou ka malade la ou bien a te wap jigote, li di sa yi la. Sa ka te alye. Li rayi ou. Monsieur dame, pa fè yi wè sa. Pou nou kampe pou nou di, moun pa ka kite non. Soye. Pou moun pa ka kite ou. Ok. C'était mon parenthèse. Il y a un pile principe de base pour un monde gérer une relation sentimentale. Pour qui ça a besoin qu'on ait quelques principes pour gérer une relation? Parce que une relation n'a pas garantie à 100%. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Parce que le monde qui n'en met au nom, c'est un monde qui est lié, les sujets à erreur, et à n'importe quel moment de la durée, il a changé de phase dans le monde. Maintenant, qui est le monde qui a gagné victoire selon moi? C'est le monde qui peut bien jouer. Son match de football. C'est donc son match de football. Si bien je veux dire qui ça, c'est façon gérée par deux partenaires. C'est ça que nous dit quelques principes, nous pas bail tout pour nous capable mieux
Nous très sages dans ce sujet. Vous pouvez nous dire mieux, c'est parce que nous connaissons que nous avons géré la relation. Et pas vrai? Est-ce que nous pouvons prétendre que c'est nous-mêmes qui pouvons gérer la relation? Non. Nous dit mieux gérer, c'est pour nous capables de jouer un petit bagage pour nous mettre sous ça, nous avons déjà. Vous y êtes. Ok. La sociologue Margot Theroux affirme qu'il y a quatre points de plus importants lorsqu'on désire une relation amoureuse stable et durable. On apprend seulement quatre. On peut ajouter deux, trois à la volée. Mais on apprend quatre selon Margot Theroux. Lydie Guin pile principe où mon cas adopté pour gérer une relation sentimentale. Mais parmi lesquels, il y a quatre qui sont importants. Pour mieux gérer une relation sentimentale, mes amis, il faut d'abord être en mesure de comprendre la nature humaine. Il y a une relation au cas de Gonbrisa. Est-ce que vous entendez? Vous entendez, s'il vous plaît? Il y a une pile relation au cas de Gonbrisa. C'est parce que mon nan blie si le se moun et si moun ki avè la se moun tout. Premier bagay n'a besoin pour nous gérer une relation, faut que nous reconnaître, faut que nous bon idée sur ce qu'on appelle la nature humaine. Mes amis, de nature, l'homme est un animal sociable, dit de kind. L'homme est un animal cultivé. Non, ça veut dire? Ça veut dire l'homme nan li gon ti animalité en dedans. Nature l'homme nan même fait parfois arrêter ou nan compte à propre tête voir pour un monde d'abîner mes dos et nous pas ça nan coupe yo gien des fois nous nan compte un petit bagaille qui fait nan compte seulement parce que nous oublié que l'homme c'est l'homme. La nature humaine veut dire qui ça? L'homme est imparfait. Je reprends, l'homme est imparfait. Pas grand ken nan nou ki la ki parfait. Si c'est le cas, nous gen qualité. Comme ça tout nous gen des défauts. Et ça fait aussi yon relation sentimentale son consensus que lui. Lors yon moun oui, c'est comme si vous dites oui à tout défaut et à toute qualité. Cependant, gen nan défaut yo ki tellement fait défaut pour ou ap bataille avec lui pour apprendre yo améliorer, pas effacer. Moi dit améliorer mais pas effacer. L'homme pas gain capacité pour l'effacer nature l'homme. Seul bon Dieu qui a fait ça. Des bagages naturels dans où n'importe quel absorti. Même l'église on dit ça. Gain monde cet esprit qui demeure en dedans permettre lui apaiser. Mais ça me dit apaiser colère là mais pas effacer. Bon Dieu, fait Saint-Esprit effacer colère là parce que c'est lui qui mette. Il sait de quoi nous sommes formés. S'il retire, il faut le remplacer. Ça veut dire, les non-relations sentimentales, il faut que nous connaissions en affaire avec un être humain. Des fois, nous en compte, c'est parce que nous oublions si nous sommes monde. Bref, pour mieux gérer une relation sentimentale, il faut d'abord être en mesure de comprendre la nature de l'homme. Qui nature l'homme non, l'homme non, il n'est pas parfait. Ni moi-même, ni madame moi-même, ni ménage moi, ni fiancé, non deux, c'est être humain, non sujet à erreur. Depuis que je compte ça depuis d'avance, l'erreur est venue, je ne vais pas me trop. Il y a des gens qui n'en comptent, c'est parce qu'ils ont oublié la réalité. Ça. Pour mieux gérer une relation sentimentale, efforce-toi de te connaître toi-même. À l'instar de Socrate, connais-toi. Toi-même. Vous comprenez ça? Si ou pas en mesure pour qu'on tête ou, la difficile pour qu'on ait partenaire là. Vous comprenez ça? Connaître toi-même, dans le dit. L'aime tenir compte, moins consciemment reconnaître sentiment qui n'a moins au courant de yo. L'aime bagaille qui arrive, j'aime sentiment, moins qui t'en estime, l'aime arrive le tout, c'est comme ça la sentir le tout. Baron, c'est nous samedi à nous? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, le dit qui ça? Reconnaître que au papa, pas parfait. Ou la dit qu'elle est. Reconnaître ou pas parfait. Et reconnaître dans la nature l'homme, non?
l'homme n'a sujet à erreur. Une fois qu'on maîtrise ça, l'amour, la relation a commencé. Pas de problème. Quand on fait ça, ah, chérie, je ne suis pas d'accord ça, non, ça a dérangé, mais écoutez, prochaine fois, font façon pour amener. Mais qui va faire mon affaire, on m'a dit, comme si vous jugez de telle sorte que vous-même, vous allez faire erreur. Ça, c'est égoïsme. OK? La première chose, qui ça a fait, on a essayé contre tête, non. D'abord, et lorsque une fin contre tête, non, ça a une possibilité pour nous connaître l'autre là. OK. Mais quatre éléments clés, normalement, hein, à ce faire. Ce sont. Un. Pour yon moun gérer une relation sentimentale, avant de prendre quatre points, je vais me rappeler que l'important pour me jeter quelques regards en signe de reconnaissance et de félicitations avec Adonai des corps. Adonai des corps. Ça, c'est l'œuvre de ma femme. Adonai des corps. Et par la suite, je vous remercie. Zoumini Pro, qui a fait un travail extraordinaire. Donc, félicitations et Dukene, Joseph et son équipe. Adonai Décor, c'est Marie-Denise Charléus et son équipe. Et merci tout avec staff accueillant qui a fait un travail extraordinaire aussi. Et félicitez nous tous pour Jean nous habillés. Ça fait du bien et ça fait me sentir que nan paume. Félicitations. Maintenant, non frais, c'est vrai. Mais essentiellement, c'est savoir comment gérer votre relation. Et il y a des gens qui là qui pas quoi une relation. Ça va pas prendre yo. Va mettre dans poche. Et puis là, il y a une relation pour aller utiliser, c'est comme ça lié. Quatre éléments fondamentaux. La première, pour une relation sentimentale mieux gérée, on a besoin d'abord la confiance. Premier à nous disait confiance. Deux, la sexualité. Je m'étonne, mais c'est la vérité. Pour que sa sexualité vienne tout de suite de confiance. Et gagnant non sim taba non liste là pour nous classer, nous devons pas même mettre sexualité. C'est ça, oui, connaissance ça veut dire. Gagnant baga ou pas connaît l'ou vin connaît ou ajouter sous ce qu'on déjà. Trois, l'argent. Quatre, le respect. Je reprends. Pour mieux gérer votre relation sentimentale, vous avez besoin de quatre choses. Alors, quatre choses parmi ça, vous avez besoin. Un, la confiance. Mounio a toujours fait semblant d'être. Mais pas dans quelle relation qui pas gain confiance en donne qui c'est vraie relation. C'est comme tu m'as dit, non, Jean Mouadili, il souffle là. Deux, la sexualité. On va le détailler. Pour qui ça après confiance, c'est la sexualité. Trois, l'argent. L'argent dans quel sens? On va expliquer ça. Quatre, le respect. Un petit mot bagaille. Si quatre éléments fondamentaux, ça n'est pas non relation, ni pas relation. Ou j'ai deux mondes qui ensemble, qui font bagaille. Qui mènent une activité. Des partenaires sexuels. Des relations amoureuses. Mon un partenaire sexuel, leur envie les satisfait. Mais relation amoureuse stable et durable, il besoin quatre ça yo. Qui c'est? Confiance. Deuxièmement, c'est sexualité. Billy. Troisièmement, c'est l'argent. Et dernier, c'est l'argent. Le respect. Ah non, là. La confiance.
Mes amis, quelle que soit relation sentimentale, attention, on ne pas dire relation tout court, on dit relation sentimentale et amoureuse. Pour lire était durable et stable. Je ne sais pas comment comprendre deux mots ça. Durable, dit qui ça? On est toujours là, on est toujours ensemble. Mais malgré bon moment, on est toujours là, et pas vrai? Durable et stable, dit qui ça? Gagnons aspect dans relation sentimentale, m'a dit non ça soya pour nous éviter. Relation tomber levé ya. Mon monsieur avant monsieur, depuis nous yon fi a pédé quitter nous, ou ils vont la quitter net. Li valable tout pour mesdames. Comme si gen relation, yo fait 6 mois quitter. Talè ou tout encore. Après ça fait 3 mois. Talè, gen délai ou font semaine quitter. Gen délai ou fait yon jour quitter. Et gen relation ou fait 2 ans temps quitter. M'pa nan ou encore même, efface numéro. Chaque fois mon li ou li dit Intel va d'où ça? Tout bas est fini. Nous quittons, oui. Et puis, demain, ou est-ce que nous coup? Bon garanti, bon l'air, quitter, à quitter. Net. Confiance. Faire confiance, c'est quoi? C'est remettre ce que l'on a de plus précieux à un autre. Faire confiance, c'est remettre ce que l'on a de plus précieux à un autre. Exemple. Son intimité, ses secrets, ses émotions, ses vulnérabilités. Bien, papa m'a toujours dit, m'a chamblé jusqu'à mes 37 ans d'âge. Papa m'a dit, Dickens, même sous, puis go chambre tromper en zombie. Exemple, coucher femme en zombie. Il dit confiance quand des gens ont fort confiance ou violer le même la nature et la nature et ça il y a vraiment comme connaissance. Confiance c'est lorsque un monde remet ça qui est plus précieux avec vous et ou même qui sont fait avec vous même. Parmi ça un monde qui est plus précieux c'est intimité. Secret, émotion, vulnérabilité. Et yon nan signe qui dit relation sentimentale ça. Li vrai? C'est lorsque moun yo yon prêt pour partager confiance avec l'autre. Gen relation qui gagne, moun nan plus prêt pour le bay intimité, le secret avec yon zami que à moun li gen relation sentimentale là. La confiance induit ainsi le sentiment de sécurité dans la relation. Depuis relation, pas de confiance, pas de sécurité. Donc, on a sécurité, vous le dit, mon n'a pas senti li en sécurité. Ça vient développer la kaili, un sentiment de peur. Gen moun qui n'ont relation, li peur. Gen moun qui toujours dit, c'est comme si la vive une relation, mais li pas jamais kon ki lè. Relation apkraze, li peur. Li pas senti en sécurité. Parce que pas gain confiance. Et m'a dit ça depuis une relation. Pas gain confiance, alors, là n'a pas parlé de relation tout. Li gain une relativité en dedans. Relativité veut dire ça qui nuit une relation pas obligé nuit une autre relation. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans relation yo, tout le monde n'est pas même. Tout le monde n'est pas gain même croyance, il pas gain même sentiment. Ou ka wè yon détail krason relation X. Même détail, ça a existé depuis 10 ans dans la relation Y, il n'y a pas bon. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une sorte de relativité. Et ça fait que les gens ne pour dire moi-même, quand vous êtes là, moi, un tel, non, c'est là, je suis un tel, vérité, c'est là. Les même tout le cas, il va dire que vérité. Sous-estimé parce qu'on est à l'aise ou j'ai trop de l'amour, les cas qui ont vérité dans tout l'amour, ça tout. Ça veut dire qu'il y a une perception, il y a une relativité dans la relation. Ça nuit en relation, pas obligé de nuit, une autre relation. Ça pour nous comprendre, une relation sentimentale pour le durable, il faut que chaque grain de monde ait une capacité pour faire l'autre faire confiance. Mes amis de Boubaka, si madame n'a pas de confiance,
Et si mari ou tout pas gen en confiance, li ka renmen ou li rete avec ou, mais relation li pa fiable. Faut qu'on comprenne ça, oui. Gen de lè nou bay la nature chapoté, nous parler, nous plein, mais attention. Gen bagay de vous pas inspirer moun nan confiance. Gen bagay ou pa joine. Kon sa tout. Gen jan fi vive avec ou. Li faut faire confiance. Et vous même jouer avec ça, la nature tout la sanctionner. Premier élément de base pour relationnon durable et stable, faut que nous travaillons pour nous gagner confiance. Écoutez, est-ce que confiance c'est un bagage ou on y crée comme ça ou on monde confiance? On fait un exercice. Est-ce que on y crée comme ça pour me faire un monde confiance? Confiance, c'est un bagage qui construit. Est-ce que vous comprenez? À travers qui sa confiance construit, c'est à travers comportement et puis attitude et puis action à poser. Attention, pas dit mon son des autres dans relation et puis vous voulez pour mon enfant confiance. Est-ce que vous comprenez? Des comportements suspects. Par exemple, mon n'a pas capable de prêter téléphone. Ça sous comme ça des attitudes suspectes la diminuer confiance et m'a dit non bagaille l'autre fait croiser avec un partenaire si elle mettait élan moins non balance la bon mesure mais mesure li gagne hein li pas stable c'est soit li augmenter ou bien li diminuer si on moun remè avec un degré x. Et puis pendant à vivre avec elle, c'est où pour la bataille pour faire quantité l'amour augmenter à travers qui soit fait l'augmenter à travers des aspirations de confiance. Depuis mon pas gain en confiance, faut que nous mettre ça dans tête non, mes chers amis. Si vous sentez partenaire là pas gain en confiance, ce qu'on soit fait à l'identifier raison fait pas gain en confiance et puis corriger. Si vous voulez gain en relation durable. Est-ce que vous comprenez? Deux, la sexualité. Pour qui ça? Toute relation sentimentale après partenaire l'on fin doit gagner confiance. Maintenant, yon nan gros mosoa c'est sexualité. Entendez? Pour qui ça? Sexe joue un rôle fondamental dans stabiliser yon relation. Parce que sexe, c'est un besoin. Et tout besoin qui se fait sentir, li pa gon lòt baga la tan mon c'est satisfaction. C'est ça que fait au niveau de psychologie sexuelle, yo reconnaître et remarquer que la satisfaction sexuelle augmente l'affection. Mais l'insatisfaction sexuelle diminue l'affection. C'est ça que fait dans les pays qui se respectent, on voit une monio très cultivée. Si couple en remarque gagne une insatisfaction sexuelle, il y a un côté pour y aller. Pour y aller résoudre problème là parce que il y a des recherches scientifiques qui montrent que en pile divorce, en pile relation crasée cause insatisfaction sexuelle. Surtout dans le pays comme le nôtre, Haïti, le sexe est tabou. Bien ça relé hypocrisie sexuelle. Puisque depuis notre tout petit, il y avait éduqué nous, il fait nous connaître sexe, son bagage équipe, l'on parle des lits ou des autres. Eh bien, on vient de marier à madame, ou bien 10 ans avec elle, il n'est pas jamais satisfait de madame de ça. Parce que dans le psychisme haïtien, yon femme haïtienne maintenant l'esprit s'il dit li pas satisfait ou ka di ou pare comme s'il dit ou a prendre pour mauvais monde alors que depuis nan yon foyer nan yon couple gen insatisfaction sexuelle li se yon élément perturbatoire parce que mes raisons hein? En plus des bienfaits émotionnels et physiques associés au rapport sexuel le sexe peut contribuer à renforcer les liens au sein du couple.
Vous remarquez, autant que mon yon a fait sexe, c'est autant de possibilités pour couple arrêter stable. Ça veut dire, une fois que vous officiel, moi je dis le con ça parce que m'a parlé de mon contexte chrétien, tout autant qu'a fait sexe, c'est fait sexe. Madame ou c'est Madame Paul, Marie ou c'est Marie Paul. Parce que l'activité sexuelle lui joue un gros rôle dans stabiliser une relation. Au point que, vous remarquez que un pile couple qui est en discussion ou bien vous êtes quitté, vous quittez, vous même côté à parler, à faire décision, mais vous quittez. Vous remarquez un signe de démonstration pour vous montrer le pardonner l'autre là, c'est un moment au passé. Et dans l'idée, une fois que ça fait, elle va donner mouvé. Parce que sexe a un rôle important que le joue dans relation sentimentale. Yo dit sexe a créé une atmosphère de proximité. Atmosphère de proximité, vous dit qui ça? Tout autant on fait l'amour à madame, c'est plus ou proche li. Gare mieux, tout le monde a vu la faire. Ça a été pas maintenant. Prends bouche. Ok. Le sexe joue un rôle important dans la relation de couple. Bon, ça c'est en vérité que nous supposons mettre en tête, non? Alors, là, nous dit sexe. Nous pas seulement parler de contact sexuel. Je reprends. Quand je parle de sexe, je ne parle pas de directement de contact sexuel. Parce qu'il y a plusieurs types de femmes. Et sensibilité de toutes filles par même côté. Il y a une fille, sexe, c'est pénétration. Mais il y a des gens qui plus prend plaisir tout dans faire l'amour. Il y a des femmes qui sont sensibles au toucher. Mon catégorie de fils yo, au lieu de passer un moment avec yo, préfère nuit yo. Nuit veut dire ça, on passer là ou sortir être li, tout ça la faire wap nuit, la durée tout, un petit garçon ça, mais tant mieux, quand même d'abord aller. OK. Donc faut que et ça fait nous pas dire que un élément fondamental tout pour gérer une relation, faut gain capacité pour déterminer personnalité monde qui n'en met on. Gen moun, c'est contact là qui intéresse. Mais gen moun, c'est les gestes. Les mots d'amour, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sexe, la sexualité joue un rôle de second rang pour que une relation rete ensemble en santé. Un bon exemple, on ne va pas être menti. Souvent, il y a une fille. Et puis, il y a dit. Il va gagner. Et puis, ah, préparation mariage, bah, coup de veste, tout bagay préparé, gâteau prêt, tout le monde se joue en apton. Et puis, là, l'hôpital, on y a l'été avec vous, il a fait examen. Il dit, bon, monsieur, il y a à côté, il dit, monsieur, c'est vrai que moi, oui, mais madame, mon, et futur madame, mon, etc., etc., mais il arrive quelque chose. Bah, ça, bon, ça qui arrive, c'est que nous remarquons, madame, mon, il va gagner. Il va gagner tout. Vagin. Il va gagner vagin. Ça fait. Ouais, moi-même, je dis vagin, pas vagin, je vais me marier. Qui ça dit vous-même? Vagin, pas vagin, bon madame, moi. Ça t'a dit vous-même? Ou pas besoin? On t'a dit ou pas cana? Donc, voilà! Là, Guitan Banon, il y a une sensation pour montrer non qui importance sexe joue dans la relation. Et même les dans cérémonie, tout le monde a un seul moment qui est important pour attendre. C'est l'une de miel. Ça veut dire le sexe, il joue un rôle important dans la relation. C'est-à-dire, faut que nous pas négliger sexe. Je reprends. Dans la relation de couple,
qui est officiel. Faut que nous pas négliger sexe. C'est ça que fait Bible va égarer nous. Mon Dieu va égarer. Il dit pour moun yo ka séparer sauf qu'il est dans prière. Ça veut dire c'est parce que le connaît proximité c'est joue un rôle important dans relation sentimentale. Proximité il signifie faut que moun yo proche. Et faut qu'on senti pardonner là les proches. Et ça pour après il y a parfois moun n'a pas besoin mais seulement vle le regarder sous cabane le coucher. Par contre si gagne fik comme ça là. Il pas besoin non pour faire non. Seulement la fait travail et cetera chaque regarder le. Va coucher lui. Même soit faire la loi même et dos même. On connaît d'avoir aller. Il vle ouais oh. Il vle sentir lui en proximité. Et ça fait parfois même si son homme d'affaires gain jour pour faire mon en ouais oh. Ça a joué un rôle important dans la relation sentimentale. Quatrième, non, c'est l'argent. Attention, l'argent dans quel sens? Troisième, c'est l'argent. L'argent dans quel sens? L'argent est une source de tension latente dans le couple. En parler librement et régulièrement permet d'éviter d'accumuler des frustrations et d'alimenter des conflits latents. L'argent est un support de la relation de couple et qu'il y a des actifs, des aspects positifs. Le problème d'argent dans une relation de couple sont fréquents et parfois difficiles à gérer. L'argent, c'est ça que me dit tout garçon. Vous comprenez ça, cible garçon? C'est parce que nous vivons dans une société patriarcale. Malheureusement, on va faire culture avec nous l'école, on va avoir une société haïtienne qui statue. Même tout dit ça. En Haïti, nous avons une société patriarcale. Vous avez dit? Ça veut dire charge de reposer sur le père. Et ça, quoi, après, il y a un enfant qui dit, on va venir un peu, je ne vais pas venir. Vraie femme n'a pas de décision de ne pas prendre dehors de mari. Parce que culture haïtienne, c'est sale, comme si c'est salement dé. Son société patriarcale. Côté que responsabilité aussi sous garçon. Eh bien, de ce fait, tout garçon haïtien supposé reconnaître l'obra de rentrer dans le lien du mariage, monsieur, faut non papa reçu. Faut que nous ayons activité économique. L'argent a deux aspects. Il y a un aspect positif, dans la relation coupée, il y a un aspect négatif. Aspect positif là dans tout connait. Et dans la majorité des cas, l'on ka pa gon good même sou n'a pas c'est j'ai faut qu'a fait. C'est souri parfois c'est souri très qu'a bay. Parce que ka la gon bagay, il pa gagne. Li lou. Ou pa ka acheter de l'eau, pa ka fè rien. Maintenant, c'est dans circonstance ça tout qui pa le permettre ou comprendre nature ou bien personnalité fictive non mais on non. Et à qui degré le remet en tout. Yon fi qui pa remet ou, pa pa accepte ou sans moyen. Ça n'existe pas. Mais, yon nèg qui gen moyen, yon fi ka accepte ou sans le pa remet. Par contre, si vous comprenez ça, me dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent dans la relation de couple, yo, qui lèl ba y problème, c'est lorsque non seulement yon un problème de gestion, attention. Gen un pile couple relation qui crase cause de gestion. Pas gen ken garçon sous la tête cap d'accord pour gaspiller couple. Surtout la jeune fait c'est à travers effort. Ça veut dire si m'a parlé de gestion dans contexte ça et pas gen fille tout cap d'accord pour dans la ouia pour la bousquer et puis pour prendre cobli pour jouer hasard pour gaspiller. Il pas d'accord. Laisse avoir une discussion insensée comme discussion qui capable de déboucher sur l'autre bagaille dans relation. Donc nous avons besoin de l'argent et après avoir possédé l'argent, nous devons avoir la capacité de gérer l'argent. Donc si pas gain l'argent, li engendrer ça les frustration. Gain fille depuis pas gain comme li malade. Frustré. Ouais bah sexe n'a pas l'air.
Bien mon cap du carrément pas poché sous lit parce que lui-même il a un libido. Ça peut être ça cap qui pour activer là, il pas gagne. Faut le gagne cobli pour régler à faire petite. Il dit ou mieux passer là. Pas venir sous lit. Donc nous avons besoin de l'argent, mais lorsque nous travaillons nous fait l'argent, faut que nous gagne capacité pour nous gérer l'argent pour éviter frustration et puis discussion. Dernier c'est respect. Respect. Les amis, écoutez. Pas grand qu'une relation sur la terre qui est durable et fort sans respect. Par contre, si nous comprenons le mot respect. Et puis tout, c'est niveau respect. Mon gen pou ou an pou al fèl gon kret gen bagay li pa fèl. Mais de pou ou pa gen respect nan relation, c'est difficile là. Pour relation ça li rete durable et stable. Respect a, lorsque moun nan pa gen l'autre la respect, ça bal possibilité pou fèl n'importe sa vle. Laisse pa gen relation amoureuse. Pa gen ken relation amoureuse ki capable rete durable, fort, ki est ton modèle pour l'autre moun an vi même la moun sa yo. Sans respect. Vous pendant m'a dit ça, l'argent, sexe, etc. Ouais, gen moun de pou pa gen respect pour lui, il va prêt avoir. Et gen moun qui rete avec ou mal en dépit de tout respect ou pa gen pour lui, c'est peut-être la crainte de Dieu ou bien son moun qui très fort moralement qui ouais, ou li la kito la, gen ti moun al prend l'autre, etc. Li résil. Gen relation comme ça. Gen relation moun yo a vivre sous résignation. Mais pas gagner aucun travail que partenaire l'en fait pour relation arrêter durable. Le respect. Écoutez, si dans relation pour là vous remarquez gagne un amour qui manque respect pour l'autre travail pour joindre respect. On se respecte d'abord, respecter tête tout et puis en retour pour joindre respect parce que depuis pas gagne respect dans relation, pas bon mentir relation n'est pas en santé. Parce que les gens n'ont pas de respect, ils font n'importe quoi. Salve. Parce que, il y a une relation, les gens n'ont pas de la peur de perdre. Et si les gens n'ont pas la peur de perdre, ils font salve. Donc, lorsque, dans une relation, chaque monde cultive le respect, je ne vais pas mentir, même si vie est passée, la relation est tordée, elle vire, elle tourne, quand même, la relation a toujours existé parce que, il y a un élément de base qui est le respect. Autre, pour nous terminer, ça aussi quatre ça qui fondamental. C'est confiance. Deuxième, c'est sexualité. Troisième, c'est l'argent. Quatrième, c'est respect. Autre, pour une relation rester durable, stable, dialogue supposé un élément essentiel. Ouais dialogue. On dal font conférence nan Ebenezer l'autre jour. Gen yon couple qui dit pi gros problème la confronté nan ville. Son mari ne parle pas. Il ne parle pas. Li gon mari pa parler il dit. Li pa parler, li dit pa parler du tout. Là, c'est pas un avantage que nous. Parce que il faut parler. Une force dialogue gain dans relation c'est à travers dialogue qui parle bon possibilité pour faire mon nan connait ça va endurer ça va traverser et lorsque le fin connait ça va traverser lui-même pour les deux parce que partenaire là sont aide lié pour d'accord c'est un catalyseur que lui mais si madame ou font bagaille ou pas parler ouais plus ou pas parler c'est plus ou concentré c'est plus gain possibilité pour émotion jaillit et puis pour gain problème et ça quoi après monde qui parle parler yo souvent conséquence ou gain tête fait mal yo bon forte pression artérielle tension ka monte etc. Il faut parler parce que c'est partenaire s'il font bagaille qui pas marcher ou reler ou communiquer avec le bon moment pour dire ça ne marche pas écoutez il faut corriger ça donc communication c'est un élément clé dans toute relation qui veut rester durable et puis stable de nature gain monde qui parle parler. Mais l'eau accompagnée, faut pas, faut pas parler. Deux,
Éviter l'esprit de vengeance. On va aller rapide. Ou alors nos relations sentimentales, il y a des choses qu'on fait pour à l'aise ou sentir fort à faire, même bagala, mais il pas bon relation. Parce que relation deux moun yo faut que yo pa gen même attitude dans même situation. Faut gen yon ki fè concession. Y bagay moun nan fè ou supporte l après pour al corriger. Parce que si ou ale nan même rit avèl, ap gen explosion. Esprit de vengeance vle di ki ça. Gen fi ki di le fait que m konnen ou te couché avec on femme sou mwen. M pral couche on nèg, m ap fè jou sorti. Mais écoutez, mais quand on voit la victime, en Haïti, société noire, dans la culture, pas non, dans la question, ça, c'est fille ghetto. Vous voyez comme ça? Les nègres ont plusieurs filles, comme ça, on dit? Flané, avec ça. Flané, vous voyez là? Chilet! Mais là où même, vous avez deux? Vous avez deux nègres, vous voyez? Hein? Pelin, Azizouel. Tout nom ou gagne. C'est ça que fait. Esprit de vengeance, c'est un sentiment qui détruit ou la relation. C'est ça que fait relation pas faite avec Timon. Faut gagne moral. Y bagay moun nan fè ou pas fait même genre tout. Ou dit tel comment ça passé. Soit fait a tellement blessé. Franchement, dans l'homme, dans sentiment pour malaise, c'est ça que m'a fait tout. Mais puisque moi, mon, n'a pas géré ça. Mais s'il prend une fille, ou bon nèg tout il dit on bon en ben li prend deux filles même on dit on l'autre nèg suivre ça veut dire ou dit chaque fois le bon monde ou prend un monde tout pour venger vengeance ça veut dire qu'on bagarre monde fort gagne monde qui était 2 3 jours passé après ça il remet tout vengeance pas marcher dans relation sentimentale après ça éviter la répétition des histoires blessantes du passé. Ça, mais ça veut dire. Le gain un partenaire, chaque monde a une histoire. Baron Kiatis qui te dit ça, non? Chaque monde a une histoire cache. Donc, chaque monde a une histoire. Et dans l'histoire, il y a une partie qui est toujours blessante. Est-ce que vous comprenez? Qui est difficile à raconter. Et si par hasard, un jour, soit ou même ou te raconter ou bien lui-même te raconter une histoire qui blessant qui blessé ou il faut avoir le courage bien que c'est difficile à faire il faut avoir le courage de faire quoi je dirais de passer là-dessus donc la répétition des histoires blessantes ça les détruit ou la relation est-ce que nous comprenons bien relation on en dit bon maintenant mon an dit que qui ça mon an fait li servi avec histoire blessante du passé pour le venger. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites ça, vous avez crasé relation. Est-ce que vous comprenez ça me dire? L'histoire blessante du passé, mon an servi avec elle pour le venger. Dans quel sens? Li doit faire un bagage là et puis là aller vous parler lui dit pas oublier. Pas oublier. Et souvent, c'est sous tête l'église catholique là, moi, le camp. A un micro, non, même pour me rappeler où ça t'est fait tel, ça t'est fait tel. Donc, ce n'est pas encourageant, c'est ça, yo pas fait bonheur avec yon bon relation. Yon un élément, avant dernier pour nous finir, qui pour permettre yon relation rete durable et stable, les cadeaux, les surprises, les sorties romantiques. Les cadeaux, les surprises, les sorties romantiques. Cadeaux. Yon an élément essentiel qui représente, qui caractérise yon l'amour, c'est le partage. Moun ki men mon an, men mon suret li anvi ou, li toujours anvi ou fou. Cadeaux. Ouais, mes amis, bam di nou ça. Pas jamais négliger cadeau. Pas négliger cadeau. Mais nous petit cadeau, puis nous pensons que si on va, c'est machine, non prend. C'est mon qui est mon an, mais mon suret tout bali, il satisfait, il senti pour lui exister.
c'est le cadeau. Il sentit pour lui gain va valeur. Bah cadeau. Il y a un garçon qui pas qui négligé dans ça, il y a une fille tout qui négligé dans ça. Donc piganal tenu compte de culture non, comme si dans culture haïtienne non, fille ils sont un récepteur non. Pas gain bagaille ça encore. Dans le 21e siècle, on garder compte film non, pas gain ça. Même Jean monsieur a faire cadeau ou ka aller dans marché, gon le, gen moun même mon slip il pas m'acheter pour moi. Il va faire même mon surette. Pas faire ça. Fait en termes de geste pour faire mon senti que li important et gen moun c'est parce que peut-être li pas connait importance cadeau. Parce qu'elle chiche. Gen moun qui pas connait importance. Cadeau joue un gros rôle dans relation sentimentale. Surprise. Surprise non veut dire qui ça? Non compte ça surprise le dit. Alors malheureusement dans classe non hier, dans classe sociale non hier, on pas gain cob. On pas dit qu'on a le faire manger fille, on fait le marché. Et puis les rivières là, ils ont une belle machine. Et pas ça me dit non. Nous pas gain cob, pas vrai? Est-ce que c'est qu'on pas connaît? Mais nous pas gain gain. Il y a un moyen à faire. Mais en attendant, nous ca faire manger dans caill là, nous fait le marché. On fait le marché vin sous table là. Et puis, l'arrivé ou verger ou un bel pâte de figue. Ah, comment? Ou bien, ce qu'on est madame ou aimé anana, regardez. Relation sentimentale, il n'y a pas besoin de gros bagaille, pas vrai? Ce qu'on est madame ou aimé, figue, ou bien le remè, mango, ou bien le remè anana, ou mette, ou fait, ou. Ou pas quitter le ou acheter le et ça que les surprises ou cacher cadeau ti moun ba broché sur anana ou. Et puis ou mettez anana on côté et puis ou fait le faire manger chéri faire manger marché on marche trop fort marché tout petit là vous ah anana je t'aime anana OK ça moun a senti que surprise on le dit qui ça encore. Moun nan ou fait yon bagay pou li ke l pa t'attend ke ou t'ap fait. Pa gen relation sans ça. Ou pa besoin gros cob pou faire surprise. Fait mari ou surprise, fait madame non surprise. Et puis non te dit ou des sorties romantiques. Oui. Non sorties romantiques yo non gagnen visite des parcs. Malheureusement pa gen parc en Haïti. Pa vrai badou. Ou voyager l'autre pays ou au Mexique ou diable. On met des noms mes amis. Nous pas gain parc. Parc là son espace chargé pied bois. Belle petite place côté que espace pour tout monde jouer ou même si mon a fait la go en bord ou même mon bois fait la go à madame veille pour ne pas tomber seulement. Et puis on vit. Et puis tout sortir romantique là. Est-ce que donc on est dans la relation sentimentale, nous pas faire 365 jours à manger la caille là. Bon dimanche, jeudi, regardez, ou pas faire manger jeudi. On sort. N'aller si gen ti moun, on prend ti moun yo, n'aller manger dans restaurant jeudi. Jeudi on va dans bail boulet. Plus mais on faut nous faire ça des sorties romantiques, aller dans bel restaurant, nous manger ensemble. Nous partager, nous discuter des bagailles qui essentiel dans vie nous, bagailles pour nous corriger. Si mon n'a pas aimer parler pour pas sentir à l'aise tout profiter dit ça dit font il faut en plus parce qu'il faut parler. Etc. Il y a des monde qui se lambe, on pas aimer lambe. Mais lambe bon. J'avais dit pour mal long journée de mer là faut que bien me coûte, pas trop aimer lambe, mais c'est bon. Ou aller dans plage, belle plage avec madame ou et puis nous relaxer non. Ça yo quitter des souvenirs dans psychique non pour nous capable reviser. Gen moun là pour reviser dans monde, il pas rien. Lò couche pour reviser, faut joindre des images. Et ces images ça cap kembe relation. Des sorties romantiques. Sorties romantiques ou l'église ou pas l'église. Bon, sorti romantique même, c'est pour mon l'église même, les fêtes. À la gloire de Dieu, je sorti à Marie, mais puis dans le restaurant, dans le marché, etc. C'est ça, l'amour. Enfin, on fait ça.
Est-ce que nous comprenons? Donc, couple qui paraît mais fait sortir romantique, nous ne devons pas faire souvent. Parce qu'il n'y a pas de moyens, pas vrai? Mais il y a des possibilités, il faut que nous fassions des sorties romantiques. Et dans la sortie romantique, là, tout, ou accompagné avec mon nom, donc, nous vivons. C'est ça, il faut le faire. Et il faut que nous fassions des relaxations. Dans la sortie romantique, là, tout, nous tout fait relaxation. Jeu d'ensemble, on joue, on parle, on blague, etc. On doit faire ça. Parce que relation sentimentale, mes amis, gen relation qui toxique. Relation toxique veut dire dialogue là absent dans relation ça. Et ça on parle les relations. Gen moun ki nan kay ki pa jam parler. Sauf pour ça. Retire ba ça là. Relation toxique yo relé ça. Il faut parler. Moi même de nature me parle mais parler mais si l'elle est arrivé, on parle. Ok, faut que nous fassions ça. Dialogue, relaxation, c'est élément essentiel dans relation sentimentale. Et puis, avant dernier point, c'est encouragement et les compliments. Il y a des garçons pas fort dans ça, de nature, mais la vie, c'est en question des efforts que lui. Dans relation sentimentale, faut que yon apprenne à encourager l'autre. Par exemple, mon enfant fait journée dehors. Rentrer, faut dire que chez vous fatigué. Vous comprenez? Vous faites un pile sacrifice pour moi. Et me souhaiter bagage ça pas arrêter comme ça, arrivons le fond gain moyen pour nous vivre tout effort ça que va faire, c'est pour moi oui. Mes amis, gain mon n'a craser on joue ou pas jamais encourager. Et c'est ça qui fait des fois nous perd du monde non. Et gain monde dehors qui a fait ça. Sans pas faire, il y a des gens qui ont fait. Et puis, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous perdez le monde. Il peut aller parce que son besoin est. Il faut encourager. Ok? Donc, j'aime si l'homme fait journée. Non. Boulangerie, elle rentre, madame Nika dit oh, vous fatiguez, aidez-le retirer, etc. etc. Et puis, sortez préparé pour lui, dit soit fait, vous fatiguez, pourquoi vous fatiguez en pile? Soit t'as fait, lui, soit ceci, soit ici, après ça m'a cherché, ouais, zami, eh bien, tout soit fait, c'est pour moi, oui. C'est pour vous, oui. Encourager. Ouais, yon mot encouragement suffit. Ouais, yon mot encourager, il te levé deux sacs, Simon, il te levé quatre. Ou dit, oh, je dis à moi, j'ai force, madame, moi, m'a fait tout bas, ça, pour lui, m'a fait, yo. Donc madame li songe parole là mais mon en fait il faut gen mon fois gen mon en relation gen mon qui fait pour le faire fois puis l'autre là pas jamais dit merci on gen mon qui pas dit merci tout figan fait ça donc ça veut dire encouragement et puis complimenter moi dis un bagage là qui paraît un petit genre bizarre mais c'est la vérité dans relation sentimentale parfois ça ab dit pas obligé vrai mais il m'a dit pour dire. Vous comprenez, non? Madame Mouret doit habiller. Madame Mou. C'est Madame Mou. Et bien, Madame Bamnie. Et puis, vous dit, maman, à la belle. Menton. Mais, c'est. Il faut le dire, pas vrai? Et puis, comme ça, tout le monde doit finir habillé là. Pantalon bien jouqué. Ou bien forme toupie. Et pour habiller, ou dit chérie malheureux, ou bien frère, mais ok. Et puis, dans quel lit, il pense que c'est vrai. C'est ça que. Je vais vous dire. C'est ça que fait. Bon Dieu, pas bail l'homme pouvoir pour lire ça dans le cœur l'autre. Sinon, la vie n'est pas possible. Est-ce que nous comprenons ça? C'est bon Dieu avec bon Dieu. S'il te bat non pouvoir pour nous cali, ça que dans cœur on l'autre. Parce que des fois, mon enca chita avant, c'est ménage ou, mais il va avoir la pensée. Pour le chita. Mon enca chita avant, et puis il n'a pas le mal dans cœur. Dans quel? Donc, si mon Dieu devait pouvoir pour lire ça que dans cœur, est-ce que c'est possible? Non, la vie n'est pas possible. Donc, même si ouais, mon enca faut dire chez ou frais, vous comprenez? Pour encourager.
Laisse-moi pas dire oui ou hypocrite, oui, hypocrisie, hypocrisie ça bon. On met d'elle fok, c'est mari, il faut qu'il félicite. Et puis tout le monde remet félicita. Est-ce qu'on connaît ça? L'autre dit fille ou belle lui. Ma qui pour me bon belle lui. Menti. Menti, il est content. Vous comprenez? Ça veut dire théoriquement c'est pour nous apprendre complimenter, encourager. En termes de révision, en termes de rappel, nous t'ai dit que dans le commencement, relation sentimentale, pas gain aucune relation sentimentale qui pas fait. C'est pas vrai? Mais lorsque nous mettons nous ensemble, chaque grain dans nous a une possibilité pour nous chercher un consensus, dans la confiance, dans le respect l'un pour l'autre, et puis pour nous capables de vivre. Parce que il y a un auteur, je ne sais pas si c'est qui te dit, au lieu de monde échouer dans la relation, préférez coucher ou faire un camion passer sous. Échouer dans la relation, je veux dire qui ça? Ou dans la relation. Mais relation n'a pas rien pour l'ouer à la relation. Pas rien dans ce qui là qui existe là-dedans. Pas de confiance. Pas de sexe. Et sexe a une relation, mon enfant fait sexe. C'est l'envie, pas rien, il dégage, il finit. Mais pas de dialogue, pas de parler, etc. Donc ça veut dire, là où on échoue dans une relation, on a souffert pour toute la vie parce que mon enfant est en face ou. Chaque jour après elle. Si c'est vrai, mon terrain est avec elle, mais on a une relation. Ou dans foyer avec elle, ou doit faire tout ça dépend de où pour relation en rester durable et puis stable. Et puis pour relation en réussir. Nous avons dit pour réussir, on a besoin de 4 points. Premièrement, on a besoin de confiance. Confiance, ce n'est pas dans ma quête, là, je vais aller m'acheter confiance pour te bailler, madame. C'est pour travail, pour inspirer confiance. Pour nous inspirer confiance, on a besoin d'éviter des comportements suspects. Ouais, gen moun, di pa mauvais moun. Mais de pou wèl, tout moun di sa, a pa bon moun non. Est-ce que n pa moun sa yo? Mais li pa mauvais moun non, mais li gon comportement suspect. Gen moun ki toujours suspect. Bon exemple. Gen moun tou, ou konnen gen relation toxique tou, li gon rapport de dominance ki gen. Fi a tou non esclave, garçon a son maître. Et parfois c'est fi a ki se maîtresse. Garçon tant couillon et esclave. Ça c'est comme si l'argent qu'on fait ça. Diaspora yo etc. Gen des relations l'ou ap gade, on dirait que c'est fille à garçon, garçon qui fille. Dans relation côté fille à père garçon en pile li pa un bon yon bonne relation. Dans relation chaque moun yo doit craindre l'autre, mais ou pas doit peur l'autre. Crainte là permettre mon nan pas gen possibilité pour faire mon nan tout bas. Tout bagay. Mais l'autre peut yon moun, ou pas ka di le sauvle. Même di sauvle dans sens positif, ou pas ka blague avec elle, etc. etc. Gen des filles, li à l'aise, c'est le mari pas là. Kou moun nan vini, stress envahi. Il pas ka ri encore. Tout ça le fait pas bon pour lui. Bon. Ou mande si yon mari, oui, li mari. Deuxièmement, nous te dit sexualité, non, ou ki yon important sexe gen nan relation, quel que soit tendance ou. Sexe pas négligé dans relation sentimentale. Donc non tout là nous gain bon sens. Donc on a gain pile relation qui écrasé cause satisfaction c'est sexuel. Nous te wè l'argent tout aspect positif li aspect négatif li, nous te wè dialogue faut que nous parler et dans dialogue là gain une phrase m'on entendez li dit le vrai secret pour réussir la vie à deux, c'est discuter sous même ça non qu'on est qu'a fait mal. Il y a un peu de monde qui pensait dialoguer, dans le dialogue là tout le temps il y a un bénéfice. Parfois non dialoguer sous ça qu'a fait non mal là. Vous comprenez non? Il y a un bagage qui passait qui fait non mal, mais non dialoguer sous lui pour lui un entente sous lui. Et pas toutefois dans le dialogue un sourire, vous auriez oui bah l'autre n'a bri quoi non mais des fois dans dialogue là ou ka wè expression visage tout de monotrice mais n'a dialogué pour nous joindre
vérité a et pour nous chita souli pour nous venir en tête pour nous cap commencer et puis pour nous capable continuer à relation. Faut que nous dialoguer sous même ça nous connaît cap fait mal. Après ça, nous te dit que faut que nous éviter esprit vengeance dans relation ou pas venger. Qui gagnons venger. Gen fille qui tellement jalouse Maril a parlé au monde pour la réponse, il parle en nèg. Pas blague, vrai, pas gars sous nèg. Il dit qu'on est marié pas d'accord, mais il fait pour la réponse. Ça pas relation. Pas fait ça dans relation sentimentale puis gagnons venger. Éviter les mots blessants. Est-ce que non qu'on est gen maudit au monde? Vous veut dégoûter avec? Sérieux? Là nous dit goumer, c'est pas parce que nous dit on monde gagoumon avec et partenaire non, pour nous montrer ou qui danger qui gagne dans mot blessant, éviter les mots blessants. Et puis cadeau, c'est important. Surprise, c'est important. Les sorties romantiques, c'est important. L'encouragement, les compliments et satisfaction sexuelle comme dernier élément non relancé encore. Pour nous capable de faire comprendre l'importance qu'il y a. Moi, je pense que, à mon nom, il n'est pas parfait. Ou même tout, ou pas parfait. Mais lorsque nous avons une relation qui peut tomber levé, il n'est pas bon ni pour vous, ni pour lui, ni pour Timounio, ni pour l'avenir. Certes, à mon nom, il y a toujours une discussion, mais dans la discussion qui gagne, il y a toujours une possibilité pour gagner un temps là-dedans. Essentiel là, dans la relation sentimentale, faut que nous gain capacité morale pour nous faire face avec problème yo, garder problème yo en face ensemble pour nous joindre solution ensemble. C'est moun qui lâche avant rien li di me quitter. Avant rien le beauté. Pas fait ça. C'est lâche. Et lâcheté dans moralité, c'est un bagage négatif que li. Faut pas lâche. Ou pas un monde seulement pour bon moment. Ou avec tout pour mauvais mot, mauvais moment. Quitte bon moment. Quitte mauvais moment, essentiel là nous gain capacité pour nous gérer relation jusqu'à ce que nous quitter ça. Je pense en termes de conclusion, je vais vous laisser avec cette phrase. Un vrai amoureux n'est pas celui qui essuie les larmes d'amour, mais celui qui les empêche de se couler. Je reprends. Je vais vous laisser avec cette phrase. Et phrase ça, kembel nan tête. Appliquez-le. Un vrai amoureux n'est pas celui qui essuie les larmes d'amour, mais celui qui les empêche de se couler. Ça veut dire qui ça? Moun ki renmen nan, c'est pas moun kap pede fò kriye et kap bin siye de l'eau. Mais c'est moun ki bataille pour empêcher ou kriye. Parce que yon vrai amour, yon moun ki renmen, c'est moun ki attentif envers ou même. Attention permet tout, li kont tout sa renmen, tout sa pa renmen. Et la bataille de jour en jour pour l'éviter tout sa pa renmen, pour le faire tout sa renmen pour l'amour capable pas parfait. Sou a goun moun. Et si yon moun amuse la fait ça suspend. Pa pè de fè moun nan crier puis vini avec un mouchoir, met genou terre ou di chéri. Et puis demain fait le crier encore. Un vrai amoureux n'est pas celui qui essuie les larmes d'amour, mais celui qui les empêche de se couler. Remet au monde pour prouver ça, c'est prouver que ou pas fait le crier. Mais c'est pas fait le crier puis pour venir suer, si elle donne un jour au monde, tout le monde a fait ça. On doit crier n'importe qui a venir suer. Mais c'est pas parce qu'on a suer de l'eau que les jeunes gens. Jeunes gens, c'est monde qui bataille pour empêcher madame ni ou bien ménage cri crier. Je vous aime beaucoup. On attend les questions. Merci. Et avant les questions, m'a relancé quelques mots de remerciement avec quelques monde qui est toujours avec nous lorsque nous fait activité. Premièrement, nous remercions Schneider Sejour qui est dans la salle là, qui toujours travaille pour nous, Flyers, et sa femme qui est toujours dans l'équipe Julia, qui joue à Bouéo.
C'est bien. Merci beaucoup, madame. Nous gagnons une famille. Nous toujours avec nous tout. Qui est de nous dans la façon qui est capable. Nous gagnons deux sommes là. Trois. Ça m'a dit là, bon Dieu. Trois. Marie Gentil. Baro bien. Ok. Madame Wesley. De la séparation. Et puis madame Valo Célian. Qui toujours avec moi dans toute conférence que m'a fait. Moi, je remets en pile. Toute équipe Zoumian, monsieur Mbagemo, parce que le travail que nous faisons là, c'est un travail qui est professionnel, nous avons bien cob pour ça. Nous remercions aussi notre ami Fanior, qui est là avec nous. Nous remercions Jonel, okay, qui est toujours là lui-même. En barrière, vous le recevez à mon yo. Nous remercions aussi Evan Saint-Hilaire qui toujours mon cap fait photo. Nous avons un mot pour mon saïo. Nous, si bien un monde que nous pas songé, nous allons saluer tête non. Pour quitter l'espace pour questions, j'ai besoin de pile questions. Je vais profiter de ce moment pour lancer quelques mots de gratitude et d'amour envers ma femme. Publiquement, je vais profiter de ce moment pour dire à ma femme quel est le domaine de définition de ma vie. Oui. Donc, on est domaine définition en fonction, c'est toute valeur qui permet de fonctionner et exister. Moins infini à plus l'infini. Si je suis en fonction rationnelle, madame, moi c'est R sauf D non égale 0. Wow. Mathématiquement parlant, je parle. Et je suis très amoureux. Je suis sérieux maintenant. Je parle, sincèrement. Pour qui ça? Parce que, oui, vous êtes timide, timide. Moi, je fais ça parce que, je ne vais pas dire à 100%, mais ça me tape dit là, yo. Génial, oui. Génial. Une autre chose qui est plus remarquable et attire l'attention de la Kaeli, c'est le respect et l'obéissance. Deux choses qui sont même si vous avez fait une relation, bas ange, pas vrai? Mais de l'air fâché, il y a un petit fâché là, mais pas un monde connaît, non? Il doit fâcher ou ne doit pas manger. Allez, vous avez un grand piqué ou. Fâché, d'où pas manger. Bah, ça va nous gérer lui parce que on va manger quand même. Ouais, bah, ça va nous gérer le monsieur. Dit oui, pas manger. Après, ça joue besoin de manger ça. Bah, ça pour faire. Si t'as un grand timon en dedans, t'as dit ou même elle pour manger pour moi. Mais c'est pour aller. Pas grand timon. Ou t'es fâché qu'on y aura pour manger. Ou t'es d'où pas manger. Y aura aller pour manger. Hein? Donc. Ça veut dire qu'on gère ça. Donc, les soumises, les respectueuses, les sont mon, les fidèles, tout. Donc, on dit bon Dieu merci pour ça et nous souhaitons que tout couple qu'il a, non pas parfait, garçon a un défaut, fille a un défaut. Si il y a un couple qu'il a pas comme ça, levez-moi. Pour tout le monde, il y a des gens qui peuvent mentir. Ça veut dire, tout couple, oui, merci Evans, merci pour mentir. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Mais pour relation rester stable, il y a des qualités, une bataille pour nous gagner. Parmi lesquelles, confiance, oui, je fais confiance, même si je fais confiance tout. Sexualité, grâce à Dieu, nous débattons là, nous avons fait. Dégagez nous. L'argent, non dégagé, non, l'aime gagne, c'est le gagne, l'aime gagne tout, c'est moins gagne. Cherchez équilibre dans la relation. D'accord? Donc, je souhaite que je voulais offrir un bouquet de fleurs. Vous savez, là? Ou pas de connaître? C'est moi qui fait conférence. Si vous pas venu à fleurs, parce que pas jeune, non? Ça ne fleur pas. Moi qui viens avec elle. Ça, on va pas madame, mon avis. Ça. Il y a des fleurs là, Kaila, non? Non, non. Il va te connaître, grâce à Dieu.
Surprise, pas vrai? Surprise. Ah, je ne vous mettez parce que Flair a déjà sauté la caille là. Oui. Fais mentir où? On dit abandonne. J'ai le okay. Mari. Moi, je fais ça parce que je connais l'Iremé Fleur. Faut nous connaître ça, mon nom Remé. Vous comprenez? Chance pour moi, l'Iremé Fleur. Elle dit n'importe belle petite fleur, je ne l'ai pas cassé le cap. C'est pas toi exigeant. C'est les mon nom, belle machine, non, chaud. Mais Fleur là, ouais, moi même tout. Eh bien, publiquement, tout le monde qui l'a regardé, qui a participé dans la conférence, là, il y a témoin que moi offrir un bouquet ça pour me prouver un sentiment de gratitude. Il faut me donner un gras si je n'ai pas respect et si je n'ai pas vous faites effort, vous faites tout ça qui dépend de vous. Après, collez sous moi, non? Après 5 ans mariage, oui. Et malgré ces discussions, tout petit, non toujours. Entendre, non? On s'allie, et puis, abaye, puis, aïe. Bon, fleur va coller sous moi. Ok, donc, je vous aime et me souhaite que. À genoux, vous mettez. Toute coupe. À genoux. Vous pouvez dire ça pour me faire? À genoux. Qui l'autre est là? À genoux. Je souhaite que, en signe de reconnaissance et d'amour, mon frère, ça. Et reste Coupio qui l'a. Oh, d'oublier. D'oublier. Merci. Donc, je souhaite que nous-mêmes, nous continuions sous même lancée. Haïti flair, non? Même si nous avons un peu de temps, nous avons un peu. Et quand on gabou, on va là pour passer acheter un plat spaghetti avec autant pico moi on va venir flair. Donc et m'a tout dit non tout que mon en ka fou yon bagay que pas vraiment remet. Mais en style de gentleman faut qu'on montre mon en que recevoir ça le baou. Essayez partager. Si nous estimer que mon en remet tel bagay, balil. Parce que nous comprendre. Même si c'est pas souvent pas gain moyen. Je pense que comme ça, donc j'espère que nous avons pratiqué quelques principes de base. Ça yo. Travail pour nous faire mon confiance, gérer la sexualité, gérer l'argent, gérer le respect. Respect à l'égard de votre partenaire, à l'égard de sa famille. D'accord? Une fois que nous faisons tout ça, la relation n'est pas parfaite, nous avons toujours gagné, petit ballon, balancé, mais jusqu'à ce que nous mourions, nous toujours. Merci beaucoup, je vous aime. On attend les questions maintenant. Comme. Attends, on a une question. Et. Je ne sais pas c'est un mot d'applaudissement ça seulement, psychologue l'a mérité. Mais nous, embarrassés. Pas de problème. Avant nous prendre question, nous allons faire un petit exercice. Après environ 2 heures et au Chita, nous avons demandé tout le monde qui est là pour faire un petit campé. Et nous avons fait un petit campé. Et les gens qui sont en couple, nous avons profité de garder Mario, garder Madame. Vous avez une dédicace. Et je pense que chaque monde qui est là, il y a un bagage qui prend. Et comme nouveau, même gens avec moi, gen bagay, m pran comme nouveau, gen bagay. Et ça, gen bagay yo dou fè, ou pa a fòk nou, ou pa ka fè. C'est difficile, mais c'est. C'est difficile. Ok, merci.